à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Pendant ce temps, le directeur général du budget et des finances publiques, lui, contrôlait la bonne exécution des chantiers confiés aux PME, PMI gabonaises. Amélie Blanche-Bougou et Issima. Comme il en a pris l'habitude pour une meilleure efficacité de la dépense publique, le directeur général du budget et des finances publiques, Jean-Fidèle Otando, s'est rendu à Port-Gentil s'enquérir de l'avancement des chantiers confiés à des PME gabonaises. Il s'agit de la route en pavé du quartier Matiti, du marché Moukala, de la route Sans-Manguier, du front de mer, de l'entrée du stade Codève, stade Blanc, du transfo Bac Aviation et du quartier Chic. Tous ces travaux visent à redonner à la capitale économique son visage avenant d'autrefois. Les chantiers s'exécutent à un rythme satisfaisant. Nous avons visité plusieurs chantiers et ce qui se dégage, c'est que les entreprises travaillent sérieusement, les travaux avancent. Ça désengorge aussi la voie principale, donc c'est vraiment très bien. On découvre en plus de ça, comme j'ai dit, des nouveaux quartiers. D'accord. Okay. C'est vraiment très bien. Donc c'est une route qui n'existait pas? Elle n'existait pas dans cet état, c'était du sable. Mm-hmm. Donc ne passait ici que ceux qui avaient des 4x4 et pour les familles qui habitent ici, c'était vraiment difficile. Il y a quelques mois de cela, j'étais arrivé à lancer ces travaux. Aujourd'hui, vous avez vu l'état d'avancement, c'est plus que satisfaisant. Mais je dirais au-delà de cette satisfaction, c'est beaucoup plus la PME gabonaise qui est aujourd'hui à l'honneur. Je suis agréablement surpris des travaux exécutés dans les règles de l'art par cette entreprise gabonaise Mika Service, par Sokotep, qui nous ont prouvé qu'ils étaient en mesure de réaliser des travaux de bonne qualité en si peu de temps. Port-Gentil est actuellement un chantier à ciel ouvert. La ville a été retenue par les pouvoirs publics parmi celles qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il est donc tout à fait normal qu'elle soit parée de ses plus beaux atours pour accueillir les nombreux hôtes qui vont déferler dès janvier prochain.